Avec toi, c'est d'être avec toi. Tant besoin de toi, tant besoin de toi. Me voici, me voici. Alors que tu m'as dit, c'est
c'est une prière, c'est une prière. C'est un cœur qui se répand devant le Seigneur. Me voici, me voici. À genoux devant toi, soumis à toi totalement. Je te soumets mes rêves, je te soumets mes projets, je te soumets mon mariage, je te soumets mes enfants, je te soumets mon mari, je te soumets ma femme, je te soumets mon entreprise, je te soumets mes études, je te soumets mes enfants, je te soumets mes parents, je te soumets ce que j'ai, je te soumets ce que je suis. Alléluia. Alléluia. Plus que ma vie soit à toi, Seigneur, ta volonté, non pas ma volonté, je me soumets. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Alléluia. Dis-lui encore, je m'abandonne. Répands ton cœur, abandonne-toi, livre-toi, soumets-toi. Une église qui t'est soumise, une église qui s'abandonne, une église qui t'est acquise totalement. Tu es Seigneur. Un seul désir dans nos cœurs, ta volonté,
ta volonté. Ta volonté. Donne-moi d'être soumis, Seigneur, à ta volonté. Ta volonté. Non pas la mienne, ta volonté. Uniquement, uniquement, Seigneur Jésus, ta volonté. Dis-le-lui comme un soupir, je me soumets, je me soumets. Prends toute ma vie, oh, prends toute ma vie. Allez, alléluia, alléluia. Pour t'adorer, je ne vis que pour toi, alléluia. Que ma vie, fasse ton bon plaisir. Tire gloire de ma vie, allez, 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 alléluia. De ma famille, le roi des rois. Chekele le baya, tele le bosa, yande le ba. Tu es mon roi, tu es mon roi. Hey, le bosa, yada ba 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 ba. Tu es mon roi, tu es mon roi. Louange à sa majesté, j'ai fait allégeance à l'agneau, allégeance au roi, tu es mon roi. J'ai décidé. Je te donne ma vie, j'ai décidé de te donner ma vie, j'ai décidé, tu es mon roi, je t'appartiens, esclave de sa majesté. Tu es l'alpha. Tu es l'alpha. Et l'oméga. Et l'oméga. Commencement et fin. Commencement et fin. Tout est en toi, par toi, pour toi, alpha. Tu es l'alpha. Et l'oméga. Nos vies pour toi.
louange à sa majesté, notre roi, notre propriétaire, celui qui a le premier mot, celui qui a le dernier mot, sur nos vies, sur ta vie, sur l'Église, celui qui nous a rachetés par son sang précieux. Louange à toi, allégeance au roi, allégeance à sa majesté, allégeance à toi Seigneur. Oh, est-ce que tu peux faire monter vers le roi de gloire? Est-ce que tu peux faire monter vers le roi de gloire? Nous bénissons ton nom, nous bénissons ton nom, nous glorifions ton nom. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Il est ton propriétaire, il est ton Seigneur. Louange, gloire, puissance. Louange, gloire, puissance. Louange, gloire, puissance. Louange, gloire, puissance. Louange, louange, gloire, puissance. À Jésus, louange.
avec tes propres mots, dis-le lui avec tes propres mots. Oh, tu es digne, Seigneur, Alpha et Oméga, toi le Seigneur des Seigneurs, notre roi, notre propriétaire, que nos vies t'appartiennent, car toi seul as été trouvé digne, dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans tout l'univers. Seigneur, il n'y en a pas un seul qui n'ait été trouvé digne, si ce n'est toi. Quelle joie, quelle grâce que de t'appartenir. Nous t'aimons, nous t'honorons, nous sommes dans la joie que de t'appartenir. Merci. Emmène-nous sur le chemin de ta volonté. Inspire ce temps, ce moment. Esprit de Jésus, nous te recevons. Sens-toi libre de faire comme tu veux. Merci pour ton onction prophétique. Merci pour ta parole. Merci pour ton onction de restauration, de guérison. Merci pour l'onction qui brise le joug de l'ennemi. Merci pour l'onction qui restaure la vue à l'aveugle. Merci pour l'onction qui redonne la capacité à parler à celui qui ne parlait plus. Merci pour l'onction qui redonne le mouvoir, le mouvement à celui qui ne bougeait plus. Merci de ce que tu nous emmènes dans les méandres et les profondeurs de ton cœur, à saisir ce que tu as à dire, à comprendre ce que tu veux faire. Merci d'une onction de liberté dans le nom de Christ Jésus. Emmène mon frère, emmène ma sœur dans une onction de liberté. Je vois une prison qui se brise, des barreaux qui tombent. C'était les prisons de limitation, des prisons de dépression, des prisons de déprime. Mais ta parole vient comme un marteau pour briser le roc de la dépression et emmener une libération totale et complète dans la vie de ton Église. Merci parce que ceux qui étaient limitation tombe dans le nom de Jésus. Et tu emmènes ton Église dans une dimension de révélation de ta propre personne. Tu emmènes ton Église dans une dimension de communion par le Saint-Esprit comme jamais auparavant. Tu emmènes ton Église dans une dimension de liberté, de force, de puissance, de grâce, d'amour, de joie, de possibilité, de compassion comme jamais auparavant. Tu le fais par ton Esprit qui agit en nous, puissamment, sur nous et au-dedans de nous. Que ta puissance soit libérée, cher Saint-Esprit. Merci. Dans le précieux, magnifique, excellent, élevé, glorieux nom de sa majesté, le Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Mets la main, mets une main sur ta tête. Mets la main sur ta tête. Sharaboka, tararaboka, kararaboka, kararaboka, itena ha ha le he he se, shara ha ha ta ta ra ta ta ika taba, shete ne te te te, tes pensées, renouvellement dans tes pensées. Amen. Seigneur, je prie que tout ce qui était confusion, obscurantisme, sha tararababa kata, et je prie en particulier pour ceux-là dont l'intelligence a été brouillée, dont la vision a été brouillée à distance par des
par des pratiques occultes. Maintenant, maintenant, je prie, ce brouillard se dissipe totalement, complètement, dans le nom de Jésus. Il se dissipe maintenant, maintenant. Que tu sois dans l'auditorium, que tu sois dans le couloir, que tu sois dans la salle annexe, le Saint-Esprit est là. Il se dissipe, il se dissipe. Il y a une compréhension qui te manquait depuis longtemps. Il y a une intelligence qui t'échappait depuis longtemps. Mais ça revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. La capacité à comprendre les choses spirituelles. Je ne parle pas de la capacité simplement à comprendre la Bible. Non, 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 non. La capacité à intercepter ou encore à comprendre la parole de l'Esprit. À comprendre la parole de l'Esprit. Il y a quelqu'un depuis longtemps, tu disais, je n'entends plus Dieu, je n'entends plus Dieu. Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Tu n'avais plus la capacité à discerner la voix de l'Esprit. Maintenant, cette capacité, c'était ceux qui avaient été envoyés contre toi. Je brise cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Katena, 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 katerebo, kaita, maike terebo. Ceux qui te retenaient, ceux qui te retenaient, qui te retenaient, qui te retenaient. Ça te lâche dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. L'esprit de peur est brisé sur ta vie, dans le nom de Jésus. Shekerebo, shekerebo, matereba shata. Il y a quelqu'un qui avait perdu son zèle, qui avait perdu sa fougue. Elle te revient dans le nom de Jésus. Kararaboshata. La capacité à rêver grand, la capacité à croire, la capacité à avoir la foi. Il y a quelqu'un, ta foi, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient, elle revient. Cette foi d'enfant que tu avais, cette foi d'enfant de croire simplement à ce que Dieu dit, sans discuter, sans palabrer. Depuis quelques temps, tu commences simplement à réfléchir constamment. Quand Dieu dit, tu parles. Avant, quand Dieu disait, tu obéissais. Et là, maintenant, tu parles, tu réfléchis. Mais cette foi d'enfant que tu avais, elle te revient dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cette embrouille spirituelle qui t'a été envoyée, cette attaque qui t'était envoyée pour te paralyser. Maintenant, je viens par l'autorité du nom de Jésus, par l'autorité pastorale qui m'est donnée sur ta vie. Je viens briser, je viens briser, je viens briser, je viens briser, je viens briser dans le nom de Jésus. Katete macha, matekete, mayekete, marelebocha, kaiterelebose, materelebocha. Les conspirations sataniques qui avaient été faites au niveau de ta famille pour t'empêcher de prier, pour t'empêcher d'éclore, pour t'empêcher de prier. Je viens avec la parole du Seigneur maintenant. Je viens avec la parole du Seigneur. Je fais un conclave maintenant. Je fais un conclave. J'invite tout cela par l'autorité du nom de Jésus. Tout cela qui s'était ligué contre toi. Je te parle à toi qui est venu ce deuxième culte. Tout cela de ta famille, je les convoque maintenant. Ils sont convoqués maintenant. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Je les convoque en esprit maintenant. Maintenant, ils sont tous là devant le Seigneur, devant les anges. Et maintenant, j'envoie une parole de menace. Vous lâchez prise, sinon cela se retournera contre vous. Dans le nom de Jésus. Vous remettez restitution, 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 restitution divine. Shababa itelema, shababa itelema. Restitution divine. Katerebocha. 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 Maketerebocha. Maketerebocha. Ainsi parle le Seigneur. Vous avez pris mes enfants en captivité trop longtemps. Voici se lève le lion de la tribu de Juda. Voici se lève le lion de la tribu de Juda. Seigneur, fais rugir le son, fais rugir le son, fais rugir, fais rugir, fais rugir, fais rugir, fais rugir, fais rugir. Matelele bababa, Sayada Bacha, Sayada Bacha,
Kete le boche. Bakane nema. Mashaya nama. Korobo shaya. Korobo shaya. Korobo shaya. Korobo seka ba 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 ba. Maikete, maikete, maikete. Marada boche. Marada bocha. Kete le boshika. Kete le boshika. Marere ba 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 ba. Sayana macheta. Sayana macheta. Sayana macheta. Sayana macheta. Chere ba 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 ba. Kete le ba 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 ba. Kete le ba 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 ba. Kete le ba 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 ba. Che ba 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 ba. Che kayana mama mama. Che kayana mama mama. Che kayana mama mama mama. Je libère le ministère des anges dans tes familles, dans les familles où ils étaient ligués contre toi. Maintenant, 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 le ministère des anges est libéré. Restitution, restitution. Mareleba Shayanaba. Katelelebo. 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 Je récupère cet enfant dans le nom de Jésus. Je récupère cet enfant. Je récupère cet enfant. Je récupère cet enfant. Dans le nom de Jésus. Libéré, 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 libéré. Chakana la bababa. Kete le bocha. Sayana bacheta. Kete le bocha. Kete le bocha. Kete le bocha. Restitution divine. Restitution divine. Chakana le beau. Mateke. Maïkete. 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 Chana baba 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 baba. Keterele baba baba baba. Chayana mama 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 maïkotoro lebo. Chaykana la bosse. Chaykana la bosse. Chaykana la bosse. Chayana baba 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 baba. Chaykama, chaykama, chaykama. Chaykama. Kete mayana, kete yanama. Shababa baba baba. Ton intelligence est restituée. Ton intelligence physique est restituée. Ton intelligence spirituelle est restituée. Chatelema. Makayasa. Mayase. Chayanabo. Katarana baba 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 chata. Chayantene meke. Chayatene meke, chayatene meke, chayatene meke. Setere lebo chayanama, chayanama kororobose, chayanama kororobose, chayanama kororobose. Ba 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 chatana na ba, shabara na ba ya ba 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 ba. Shaya ra ba 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 ba. Chatele le beau. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Récupère ce qui t'appartient. Récupère ce que tu sais, qui t'avait échappé. C'est le moment. Élève ta voix, élève ta voix. Le diable est un impoli. Il ne comprend pas. Même quand Dieu parle, il ne comprend pas. Prends par la force. Chaque récupère. Matele les beaux. Cheye la beau. Cheye la beau. Cheye la beau. Daya la baba baba baba. Cheye la baba 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 baba. Shayana ba 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 ba. Shelele ba 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 ite. Shelele be 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 be. Hey, hey, hey. Thank you.
Ils ne te retiendront plus. Ils ne te retiendront plus. Non. Chez la bossa. Ils ne te retiendront plus. Ne regarde plus en arrière, regarde à Christ en avant. Ils ne peuvent plus te retenir, ils ne te retiendront plus. Ne donne plus d'excuses, ne regarde plus en disant « Ah, c'est peut-être ça ». Non, c'est fini, ils ne te retiendront plus. Shabadadabosa. Karadabosa. Shanamaikatena. Shanamaikatena. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Père, que ta parole ne revienne pas à toi, elle ne revient pas à toi sans avoir accompli le but pour lequel tu l'avais envoyé. Alléluia. Finis la peur qui paralysait ma sœur et mon frère. Cette capacité à rêver grand, cette capacité à rêver sans limite, cette capacité à avoir une foi inébranlable est restaurée dans la vie de mon frère et de ma soeur. Shebaradabosa, shebaradabosa, shebaradabosa. Seigneur, bénis ta parole. Te bénissons pour ta présence et pour ce que tu fais. Sois le maître, l'Esprit de Dieu. Nous nous soumettons à toi. Dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Salut, 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 trois, quatre personnes que tu ne connais pas. Trois, quatre personnes. Alléluia. Je crois fermement à ce que le Seigneur a fait très souverainement tout de suite là. Je crois fermement. Oh. Non, on va pas. Ni Satan, ni ses agents, c'est fini. Ils n'ont plus la. Non. C'est toi et moi, nous allons quelque part. Hier, oui. Aujourd'hui, non. Ah, non, aujourd'hui, non. Et tu vas voir. Là, comme je disais au premier culte, là, on termine aujourd'hui, voire dimanche prochain. Pardon, sur la notion du. Sur le thème du discipola, on y est depuis presque 2 mois, je crois, maintenant. Sur le thème du discipola. Et de toute façon, c'est un thème qui ne s'arrête pas, parce que Jésus a dit faire de toutes les nations des disciples. Donc, en fait, tout ce que nous faisons nous emmène à être de meilleurs disciples. OK? Mais dans deux semaines, on va. Il y a aujourd'hui, puis dimanche prochain, et ensuite, dans 2 semaines, on va entrer sur un thème. Et j'ai quasiment confirmation déjà du Seigneur par rapport à ça, mais sur un thème. J'en avais déjà parlé ici il y a longtemps, pour ceux qui étaient là en 2013. J'avais parlé sur ce thème en deux messages.
lorsque j'ai parlé de briser les barrières de l'intimidation. Là, ce sera complètement, ce sera ça, mais en fois 4, fois 5. Parce que tu vois, lorsque tu te lèves pour le Seigneur, l'une des premières choses que l'ennemi va faire, c'est de t'intimider. Pour te dire, qui crois-tu que tu es? Tu te prends pour qui? Donc depuis tout ce temps, donc il n'y a que toi que le Seigneur va utiliser. Donc vraiment, il va passer en esprit, il va passer par des gens, il va passer par tes propres pensées. Mais t'inquiète. Oh. T'inquiète. Il a encore rien vu. T'inquiète. Surtout ces agents-là. Non, il ne faut pas se mettre entre... En fait, il ne faut pas se mettre sur le chemin du Seigneur. Qui est fou pour se mettre à une voiture qui vient à 100 km/h? Peut-être tu viens, tu dis stop. Tu n'as aucune autorité. Tu viens, tu dis stop. Le diable n'a aucune autorité sur toi. Les sorciers n'ont aucune autorité sur toi. Ils n'ont l'autorité que tu... Ah, tu vas comprendre. Tu vas comprendre. Non, je te dis, tu vas comprendre. Tu vas devenir un terroriste pour le royaume. C'est-à-dire, non, tu vas devenir un terroriste. Non, je te dis, quand tu vas comprendre ça, non, tu vas voir que Satan t'a trop joué. Ah, laisse, tu vas voir qu'il a trop joué. Le gars n'a aucune autorité. Tout ce qu'il devait faire, c'était récupérer l'autorité qu'il n'avait pas. Faut pas le minimiser. Hein. Si tu lui tournes le dos, il va te dévorer grave. Faut pas le minimiser. Satan, on minimise pas. Mais on lui donne pas non plus une place qu'il n'a pas. Est-ce que tu me suis? Mais Paul dit, hein, et on va le voir, on verra tout ça à partir de semaine. Paul dit, nous n'ignorons pas les desseins de l'ennemi. Il était sur terre avant toi, donc on le minimise pas. Parce que ça, c'est aussi une de ses techniques, de mettre en toi l'orgueil pour dire, ouais, non, on n'est pas là-dedans. Mais en même temps, on ne s'est plus intimidé. Ah, il n'a aucune autorité. S'il avait cette autorité, il aurait attaqué Adam frontal. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas attaqué Adam frontal? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu directement pour dire Adam, toi? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il n'avait pas l'autorité. Ce n'est pas une question de puissance, c'est une question d'autorité. Or, Jésus a dit, allez faire toutes les nations des disciples. Mais juste avant ce verset, qu'est-ce qu'il dit? Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Sous la terre. Et ensuite, il dit, allez. Tu vas comprendre que la notion d'autorité, Jésus ne nous a pas dit d'aller sans l'autorité. Avant qu'il dise, allez, il a dit d'abord, tout pouvoir, exousia, toute autorité m'a été donnée. Et maintenant, quand il dit, cette autorité m'a été donnée, maintenant, soyez tranquille, allez. Tu vas voir. Savoir que dans la plupart des combats qu'il y a dans ta vie, la plupart du temps, qu'est-ce que le diable fait? Il fait tout simplement pour que tu lâches ton autorité et que tu la lui cèdes. Il te fait « Ah !» Tu dis « Non, ils sont trop forts. » Je change le micro ou c'est comment? Sono. Dites-moi, je change. Et il va te faire un coup de bluff pour que tu lâches. Et quand tu lâches, ah, c'est bon, je l'ai eu. Il a échoué dans ta vie dans le nom de Jésus. Faut pas manquer à partir dans deux semaines. Là, on termine aujourd'hui, dimanche prochain, et puis dans deux semaines. Vous... Il y a une sainte colère. Non, il y a une sainte colère. Et je sens que c'est la colère du lion, de la tribu de Judas. Oh. Toi et moi, on n'est plus à l'étape là de... non, c'est oh, ça va être difficile. Et autre, attends, tu vas voir. Non, c'est impossible, non. Ah, on peut pas. Ah, on n'a pas les moyens. Ah, je n'ai pas le diplôme. Ah, je n'ai pas les contacts. Ah, mon mari il veut pas. Ah, ma femme veut pas. Ah, mon papa veut pas. Tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas sortir de là méconnaissable. Toi-même, tu vas pas te reconnaître. Et je te dis, tu vas pas te reconnaître. Tu ne vas pas te reconnaître. Pour terminer sur le message de dimanche dernier, la nourriture du disciple de Christ est de faire la volonté de son maître. Le temps est déjà avancé, donc je vais aller directement droit au but. On a vu dimanche dernier par rapport à la notion de la nourriture, l'importance de la nourriture. Je ne peux pas faire le récapitulatif, donc soit récupérer le message. Et qui normalement, on fera en sorte qu'il y ait un coffret sur toute la série par rapport aux disciples là. Et donc aujourd'hui, je veux voir la notion de la volonté. Okay. Jésus, donc c'est le texte de base était Jean 4, verset 34. Jésus qui dit, ma nourriture est de faire la volonté. Dis avec moi la volonté. La volonté.
Nous avons vu la nourriture dimanche dernier, et là maintenant je veux voir la volonté. Et de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Dis encore avec moi la volonté. Non, dis-le bien, la volonté. La volonté. Oui, la volonté. Et j'en parlais avec Apé Nadine pendant le mois de septembre. J'étais un peu déconnecté par rapport aux prédications du pasteur Yvan à Boissy. Et donc après, je suis au courant septembre, je suis reparti et écouté. Et quand j'ai écouté, je suis tombé, comme on dit l'expression, tombé des nues. Parce que j'ai remarqué le jour, par exemple, où j'avais parlé de le disciple porte les fardeaux de son maître. C'était le même jour où le pasteur Yvan était en train de parler tout simplement par rapport à la notion du fardeau. Et quand je suis allé écouter la prédication, bon, tu sais, il y a onction et onction, il y a enseignant et... Et nous qui essayons de... Tu me suis, non hein? Et donc, quand j'ai écouté, j'ai dit ça m'a ouvert. J'ai dit, ça m'a ouvert les yeux. Et laisse-moi te dire juste une partie importante de ce que le pasteur Yvan a enseigné sur le thème du fardeau, pour que tu comprennes la notion de volonté. Matthieu 11, versets 28, 29 et 30. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le verset 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Et tu vois, j'avais dit la notion du fardeau. Tu vois, le fardeau, c'est ce qu'on mettait donc le joug, c'est ce qu'on mettait sur les animaux. Mais le joug, c'était pour le but de les contrôler et de les diriger. Et donc, lorsque le Seigneur te demande de porter son joug, ça veut dire que tu dois laisser le Saint-Esprit te diriger. C'est le Saint-Esprit, porter le joug du Seigneur, c'est laisser le Saint-Esprit te diriger. Parce que toi et moi, on est esclaves. Au fait, toute l'humanité est esclave. Personne n'est libre. Tout le monde est esclave. Soit esclave du péché ou bien esclave de la justice. Toi, tu es esclave de la justice, dis-moi amen. Mais on est esclave. Soit esclave de Satan, soit esclave de Jésus. Tout le monde est esclave. Tout le monde. Rappelle-toi ce que nous avions dit, celui à qui tu obéis, c'est celui à qui tu donnes le pouvoir. Ou encore, tu donnes l'exousia sur ta vie. Et donc, d'une manière ou d'une autre, on est toujours esclave. Et étant esclave de Jésus, c'est le joug qui nous donne de porter, c'est pour nous diriger, pour nous contrôler. C'est son esprit. Mon esprit vous dirigera, mon esprit vous conduira. L'esprit de vérité vous conduira dans toute la vérité. Donc, celui qui porte le joug est celui qui se laisse diriger, conduire par le Saint-Esprit. Alors, il y a la catégorie de personnes... Alors, tu as le fardeau. Et celui qui porte le fardeau, parce que tu avais l'âne, je prends le cas de l'âne, et là, le joug, pour le diriger, on va à gauche, on va à droite, et puis après, sur lui, on met des fardeaux. Le maître va mettre des fardeaux, parce que j'ai besoin, le maître a besoin de transporter ces choses-là vers une telle direction. Donc, on met le joug pour qu'il aille dans la direction où il doit aller, et ensuite, on met les fardeaux pour qu'il porte les fardeaux du maître, et que le maître n'ait pas à porter les fardeaux. OK ? Et donc, tu as la catégorie de personnes qui ne prennent ni le joug et qui ne portent ni le fardeau. Bon, en tout cas, j'espère que ce n'est pas toi. Et si c'est toi, c'est que tu dois vraiment venir à Christ déjà. Mais il y en a quand même, ils disent être en Christ, hein, mais ils ne prennent ni le joug et ils ne portent pas le fardeau. Ils ne pensent qu'à eux, au fait. Mais par contre, quand il y a besoin de prière, ils vont être là. Hein. Non, Seigneur, donne-moi, Seigneur, fais ci, Seigneur, j'ai besoin, Seigneur. Rappelle-toi ce qu'on a dit dimanche dernier. La foule ou le simple croyant, il dit à Dieu, Seigneur, j'ai faim, donne-moi. Le disciple dit, Seigneur, j'ai faim de toi. Dis-moi un bon amen. Et donc, et puis tu as la catégorie de ceux-là qui prennent le joug, mais qui ne portent pas le fardeau. Donc, comme ils prennent le joug, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils se laissent conduire par le Saint-Esprit. Donc, ils marchent dans la sanctification. Ils ne marchent plus dans le péché. Ils se laissent conduire. Il y a un caractère qui se crée. Il y a une communion avec le Saint-Esprit. Mais ils ne veulent pas prendre le fardeau. Ah, Seigneur, non, laisse-moi seulement être avec toi. C'est toi et moi la communion. Hein, toi et moi simplement. Ah, tout le fardeau là. Parce que le fardeau du Seigneur, c'est quoi? C'est les âmes. C'est les âmes. Le Seigneur est intéressé par l'humanité. Il est intéressé par les nations. C'est les âmes. Ton voisin, ton collègue, ton patron, ton frère, ta mère, c'est les âmes. Et dit, non, Seigneur, moi, c'est ma communion avec toi. Moi, vraiment, non, moi, je t'aime, hein, toi et tout cela. Donc, ils vont aller dans la direction où le Saint-Esprit va, mais il ne veut rien porter. Et dit, non, ah, le fardeau des âmes, hein, non, 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 Seigneur, rien que toi et moi. C'est ainsi qu'il y en a certains. Le Seigneur, quand le Seigneur te montre des choses, il dit, Seigneur, hey, moi qui je suis, moi pour ça, hey, moi pour ça, non, 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 non. Seigneur, moi, c'est juste toi, toi et moi, toi, toi et moi, tout, mon toi et moi, toi, moi et toi. Et dit, mais mon fardeau. Quand il te montre les situations pour y prier, hey, personne, le Seigneur te montre de prier pour des autorités, des présidents de la République. Tu dis, ah non, 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 c'est moi, je sais qui. Pourquoi est-ce que moi je vais voir ça? Mais c'est quoi ton problème? Porte le fardeau! Dis à ton voisin, porte le fardeau. Porte le fardeau. Dis à ton voisin, porte le fardeau. Porte le fardeau.
Et il y en a qui portent le fardeau, mais ils n'ont pas le joug. C'est-à-dire, ils vont faire ce qui est le fardeau de Dieu, mais avec eux-mêmes, sans le Saint-Esprit. C'est-à-dire, ils ont une vie compliquée, caractère compliqué, une bouche compliquée. Mais ils portent le fardeau. Oui, ils vont porter le fardeau. Mais sans le Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas guider par le Saint-Esprit. Ils ne se laissent pas tailler par le Saint-Esprit. Ils se laissent pas. Donc, ils vont faire beaucoup de choses pour Dieu, mais sans Dieu. Mais ils ont le fardeau. Et ils se justifient par rapport au fardeau. Toi, tu dois faire partie de celui qui a pris le joug et qui porte le fardeau. Amen. J'ai pas entendu ton amen. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et ce qui nous emmène donc dans la notion de la volonté de Dieu. C'est-à-dire de faire la volonté de Dieu. Alors, il y a trois types de volonté. Je vais vraiment accélérer. À cause du temps imparti, il y a trois types de volonté, et on va retrouver ces trois types de volonté dans un passage que nous connaissons bien pour la plupart d'entre nous, qui se trouve dans Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2, qui dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est... » Voilà trois types de volonté. Ce qui est bon, ce qui est agréable, et ce qui est parfait. Alors voyons, et à cela, à ce verset, je vais rajouter un autre verset. Matthieu 7, 7, passage aussi que pour la plupart d'entre nous connaissons, qui dit, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Ok? Et donc, je vais prendre ces deux passages pour étayer maintenant la notion des trois types de volonté. La volonté bonne. La volonté bonne, c'est du domaine du demander. C'est dans le domaine du demander. C'est à l'étape du demander. La volonté bonne, si tu veux, la volonté bonne, c'est la volonté générale de Dieu pour ses enfants. La volonté qui est bonne, c'est la volonté qui nous permet de marcher dans les voies du Seigneur. C'est le chemin nouveau que Dieu a tracé pour tous ceux-là qui sont devenus enfants de Dieu, qui ont cru à la parole, qui ont reçu la parole, et qui sont devenus maintenant enfants de Dieu. Il y a un chemin nouveau qui est tracé pour eux. C'est la volonté bonne. Éphésiens 2, verset 3. Je te donnerai plusieurs passages, note simplement, et je les lirai pour toi. Éphésiens 2, verset 3 dit, « Nous tous, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Jadis, lorsque tu ne connaissais pas le Seigneur, tu accomplissais la volonté de ta chair, la volonté de tes pensées, et ta chair est très copine avec le diable. Et donc, est très copine aussi avec l'esprit du monde. Et donc, tu accomplissais au fait une volonté qui n'était pas celle de Dieu. Lorsque tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu es forcément, forcément prisonnier de cette volonté-là. C'est une volonté qui ne peut que t'emmener dans le néant, qui peut t'emmener que dans les problèmes, qui ne peut que te maintenir dans le péché. Pour sortir de là, si tu n'as pas connu Christ, tu dois d'abord faire la volonté de Dieu qui consiste à venir auprès de son Fils. Dis-moi un bon amen. Amen. Et donc, l'apôtre Paul dit, nous aussi, avant que nous ne venions à Christ, nous faisions partie de cela. Nous nous laissions conduire par la volonté de nos pensées, de la chair, de la convoitise et toutes ces choses. Raison pour laquelle nous devons de nous laisser transformer par le renouvellement de nos pensées. Ce qu'on a vu dans Romains 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous, soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Intelligence. Sinon, si tu ne le fais pas, tu vas continuer d'accomplir les volontés de la chair et des mauvaises pensées. Mais cela ne soit plus ton cas dans le nom de Jésus. Donc, la volonté qui est bonne, tu comprends que la volonté qui est bonne, au fait, c'est la notion simplement de repentance. C'est la notion de repentance. C'est la repentance. 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 4. 1 Thessaloniciens 4, c'est ça ? 3, oui, c'est ça, 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre... Non, faut tout le monde doit le dire. Ce que Dieu veut, c'est votre... Non, lisons-le bien. Ce que Dieu veut, c'est votre... Sanctification. Votre... Sanctification. La sanctification, ce n'est pas la sainteté. La sainteté, au fait, des fois, on confond la notion de sanctification. Alors, si tu veux garder le mot sanctification, il faut que tu comprennes alors la notion de sanctification positionnelle qui, au fait, qui voit la sainteté. La sainteté, c'est quoi? C'est-à-dire, toi et moi, nous sommes saints. Nous sommes les saints. Pas besoin d'être canonisés. Toi et moi, nous sommes les saints. Dis-moi un bon amen. Amen. Oui, 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 oui.
Si tu connais le prénom de ton voisin, appelle-le saint ou sainte et son prénom. Si tu ne connais pas son prénom, demande-lui son prénom. Demande-lui son prénom. Et puis après, tu dis saint, le prénom. Non, dis bien. Ouais, dis bien. Hein? Saint Arnaud. Hein? Non, Sainte-Tête, ça fait mieux. Dis Sainte-Tête. Ouais, Sainte-Tête, c'est bien. Sainte-Tête. Hmm. Ouais, ça sonne bien, Sainte-Tête. Ouais. Pourquoi? Nous ne sommes pas saints à cause de ce que nous faisons. Nous sommes saints à cause de qui est en nous. Parce que peu importe tout ce que tu peux faire, tu ne seras jamais saint de toi-même. C'est lui qui te rend saint. C'est pour cela que la notion de canonisation, bibliquement parlant, n'a aucun sens. Est-ce que tu le sais? La notion de canonisation, j'attaque personne, je dis des choses. La notion de canonisation, non, parce que aujourd'hui, maintenant, dès que tu dis les vérités, et puis si tu vas attaquer, attaque. La notion de canonisation, non, il faut dire la vérité. La notion de canonisation est une gifle à la notion de la grâce. Est-ce que vous le savez? C'est une gifle que tu envoies à la notion de la grâce. Parce que tu es en train de dire, ah, grâce à mes efforts, je suis devenu un saint. What? Quoi? Grâce à ce que j'ai fait, grâce à mes œuvres, grâce à maintenant, je suis qualifié pour être saint. Hein? Il n'y en a qu'un seul qui est saint. Amen. Et qui nous a tous rendus saints. Amen. Et cette personne, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Il n'y en a pas d'autre. C'est Jésus. Point. Et si tu n'es pas content, va auprès du Père, gère-toi avec lui. Dis-moi un bon amen. Amen. Non, je dis parce que ça passe sur Internet. Donc voilà. Amen. Amen. Voilà. Non. C'est le Seigneur qui nous rend saints. Mais il nous demande de marcher dans la sanctification. Ça veut dire, parce que je suis saint, je me dois de marcher comme un saint. Et donc, la notion de sanctification qui est progressive. C'est-à-dire, parce que plus tu marches dans la sanctification, plus tu... Parce que, écoute, sois détendu, tu verras qu'au-dedans de toi, il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais Dieu t'appelle saint. Oh. Il y a toujours des choses qui ne vont pas. Mais Dieu t'appelle saint. Il y a colère. Hein, il y a des problèmes. Mais Dieu t'appelle saint. Pourquoi? C'est pour ça qu'il te dit marche dans la sanctification. Parce que quand tu marches en tant qu'un saint, plus tu marches, plus sa lumière vient. Sa lumière vient. Montre le truc. Mets de côté. Ok Seigneur. Sa lumière vient. Mais montre que. Mets de côté. Et plus tu marches, et tu vas voir que plus tu deviens comme lui. Amen. Dis-moi un bon amen. C'est ça la notion de marcher dans la sanctification. Il dit, parce que vous êtes saints, marchez comme des saints. C'est tout. Tu ne gagnes pas ça par tes œuvres, mais tu obéis. Et donc, remets-moi le passage maintenant. C'est comme ça que le Seigneur dit, voici sa volonté. Ma volonté, hein, Dieu dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Et comment il te dit de marcher, comment marcher dans la sanctification? Eh bien, c'est de ne pas marcher dans le péché. Parce que tu es un saint. Le péché n'a plus rien à voir avec toi. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et c'est ainsi qu'il dit, c'est que vous reviens. C'est que vous vous absteniez de... Dis-le bien. Dis-le très bien. C'est pas moi, c'est la Bible. Amen. Et pour quelqu'un qui n'a pas compris, c'est quoi impudicité? Relation illicite sexuelle hors mariage. Mais attention, ce n'est pas que ça. Parce que le mot impudicité vient du mot grec porneia. Porneia, ça te fait penser à, dis-le. Voilà, pornographie. D'où tire le mot pornographie? Porneia, de impudicité. Ça veut dire que porneia, ce n'est pas simplement le fait d'avoir des relations sexuelles hors mariage. C'est tout ce qui est impureté, tout ce qui est débauche, tout ce qui est homosexualité, tout ce qui est de travers. Porneia. Non, parce que toi, certaines personnes le disent, non, pasteur, on n'a pas couché ensemble, mais vous avez pornéa. Dis-moi un bon amen. Faut pas nous embrouiller. Non, on n'a pas couché ensemble. Mais vous avez. Mais tes mains sont parties où? Tes yeux ont vu ceux qui n'ont pas le droit de voir. Même tes yeux ont vu. Tes oreilles ont entendu ce qu'elle n'avait pas le droit d'entendre. Pornéa. Hein? Baisse pas la tête. Sinon, tu vas être détecté.
L'impureté, l'impureté n'est pas une action. L'impureté est une direction de cœur. L'impureté, tu sais c'est quoi l'impureté? L'impureté, c'est ici, il y a le ravin, le péché est là. Toi, tu es ici. L'impureté, c'est déjà quand tu regardes en direction du péché. Quand tes pensées sont tournées vers le péché. L'impureté est une direction de cœur, une position de cœur. Donc, lorsque mes yeux sont tournés vers le péché, je suis déjà impur. Même si je n'ai pas touché, mes pensées y sont. Dis-moi un bon amen. Amen. Pasteur, jusqu'où est-ce qu'on a péché? Est-ce que là on a péché? On n'a pas péché? On n'a pas péché? On n'a pas péché? Pornéa. Tes pensées sont impures. Dès le moment où tu me poses la question, je sais que tu es, tes pensées sont souillées. Parce que si tu regardes constamment en direction du péché, c'est que tu es dans la direction, tu es déjà impur au niveau de tes pensées. Mais quand tu regardes dans la direction du Seigneur, tu tournes le dos au péché. Et tes pensées deviennent pures. Philippiens 4 nous dit, vos pensées, hein, qu'est-ce qui doit être le sujet de tes pensées? Est-ce que là-dedans, il y a la... Non, je ne vais pas dire les parties intimes. Qu'est-ce qui doit être le sujet de tes pensées, hein? C'est quoi? Tout ce qui est pur. Donc, quand tu gardes des pensées impures, pornéa. Est-ce que tu me suis? Amen. Qu'un jeune me dise amen. Amen. Mais il n'y a pas que les jeunes ici qui doivent dire amen. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que tu marches dans la sanctification. Tu dois couper tout ce qui donne accès à l'impureté dans tes pensées. Ça veut dire qu'il y a des numéros de téléphone qui doivent sauter. Ouais, il y a des WhatsApp qui doivent être bloqués. Hein? Et puis tu dois repartir dans l'historique de tes WhatsApp et supprimer toutes les photos bizarres qui t'ont été envoyées. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Parlez. Hein? C'est quoi cette inspiration d'envoyer des photos bizarres compliquées aux frères? Hein? C'est quoi? Va me dire c'est quoi? Hein? C'est quelle inspiration? Pornéa. On n'a rien fait? Si, tu t'es déjà souillé dans tes pensées. Oh, c'est juste embrassé. Quand tu t'es embrassé, comment ton corps a réagi? Je vais te faire un dessin? Non. Pornéa. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez dans la... La... Je ne vais pas plus loin. C'est la volonté générale, globale du Seigneur. Marcher dans la sanctification. Les pensées mauvaises par rapport... Arrête, pourquoi marcher ou donner accès à des critiqueurs professionnels? Il y a des personnes, tu le sais, que lorsque tu vas t'asseoir avec elles, quand tu ressors de là, tu dois demander pardon au Seigneur parce que tu as insulté, parce que tu as critiqué. Tu le sais. Ce sont des pros de la critique. Tu le sais. Pourquoi tu vas donner tes oreilles là-bas? Pourquoi tu vas donner de ton temps là-bas? Hein? Des personnes, quand tu passes du temps avec cette personne, tu n'avais aucun problème avec Shinobi. Tu passes du temps avec Gwendolinette. Shinobi, toi, tu n'avais aucun problème avec Shinobi. Et tout à coup, Shinobi, non, tu regardes, et tu n'as rien fait. Et ce qui est terrible, c'est que tu n'iras même pas auprès de Shinobi. Il y a combien de relations n'ont pas été brisées comme ça au niveau de l'église? Mais ça, là on n'est plus dans Pornéa. Là, c'est l'esprit là qui est derrière. De division. De division. Combien de personnes ne se sont pas embrouillées? C'est-à-dire, dans ton cœur, tu ne ressens plus de quoi que ce soit pour tel frère ou telle sœur. Pourtant, entre vous deux, il n'y a jamais rien eu. Mais parce que quelqu'un t'a dit. Maintenant, tu regardes la personne différemment. Et pourtant, tu n'as jamais eu même le courage d'aller auprès de cette personne pour aller au moins à la source. Combien de relations n'ont pas été brisées comme ça? Combien? Et laisse-moi te dire, tu n'as pas idée du nombre d'opportunités qui ont sauté comme ça. Rappelle-toi lorsqu'on a vu les 4 attaques du malin. Tu te rappelles? L'un d'entre eux. Quand l'attaque du diable qui va venir et qui va empoisonner. Tu te rappelles? Hein? Ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez dans la sanctification. Dans la sanctification. Là, on vient te... Écoute, regarde, moi, je te dis.
on vient te dire, il y a un frère, il y a une sœur qui vient te dire, ah, tu sais, telle sœur, tel frère, vraiment, il y a ci, il y a ça. Tu dis, c'est vrai, tu m'as dit ça, tu permets que j'aille lui poser la question. Mais oui. Parce que si tu ne veux pas que j'aille lui poser la question, alors tu me dis ça dans quel but? Tu viens me dire ça dans quel but? Ce n'est pas pour construire, c'est pour détruire. Je ne suis pas avec toi. Si tu viens, tu viens me dire ça uniquement pour polluer ma pensée vis-à-vis d'un tel, que tu viens me dire, même si c'est avéré, mais que tu viens me dire dans une attitude, faisons quelque chose pour le frère, pour la sœur, ok. Mais tu viens juste jeter, ah, au fait, au passage, hé, hey, tel frère, tu sais quoi, hein, regarde, il y a ça, il y a ça, ça, poum, bon, je m'en vais, au revoir, bye bye. À quoi tu joues? À quoi tu joues? J'ai pas entendu ton amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous marchions à sanctification. Cet esprit-là, tu vas être dévoilé. Je te dis, si tu joues, si tu collabores avec cet esprit, tu vas être exposé. Amen. Tu sais pourquoi? Parce que l'esprit qui règne maintenant sur lui, c'est l'esprit de l'amour. Amen. Et ça va t'exposer. Tu vas venir là où tu voulais. Quand tu dis, moi, ce que tu dis là, viens avec moi, on va chez le frère. Non, hey, moi j'ai dit ça. Non, viens, on va chez le frère. Et tu vas me redire ce que tu as dit devant lui. Mais dis-moi, moi, amen. Ouais. Sinon, c'est quoi ta mission? Mon frère, je te dis, c'est maintenant ce que tu dois faire, c'est comme ça. On vient, on te parle, ah, un tel a fait ça, un tel a fait ça. Ah bon, viens. On va, non, et puis quand c'est comme ça, viens, on va simplement prier. Il y a des fois, il y a un suspect. Et puis on dit prier, mais en fait, la manière dont tu as parlé là me démontre que tu ne pries pas pour la personne. Non, tu reconnais quand quelqu'un prie pour quelqu'un. Comme si je prie pour toi et que quelqu'un vienne me dire du mal de toi, je vais repousser cette personne. Pourquoi? Parce que moi, je prie pour toi. Et donc, je ne peux pas accepter que moi, que quelqu'un vienne défaire mes prières. Amen. Quand tu pries véritablement pour quelqu'un et que quelqu'un vienne critiquer cette même personne dans tes oreilles, ça ne passe pas, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Dis-moi un bon amen. Amen. Ouais. Ce que Dieu veut, c'est que vous marchiez dans la sanctification. Amen. Un peuple saint. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un peuple saint, mis à part, sacrificateur et roi. Un peuple saint. Dis-moi un bon amen. Amen. La volonté agréable. C'est la deuxième volonté. Hé, hey, Jésus-Christ de Nazareth. La volonté agréable. La volonté agréable. Non, il faut que j'ai remis les trois. La volonté agréable. La volonté bonne, donc, tu vois, c'est la volonté, on va dire, générale. Ce que Dieu veut, qu'on marche dans la voie. Et pour la volonté générale, commence déjà par la trouver dans sa parole. Il y a déjà des sentiers. Il y a des chemins qu'il nous donne dans sa parole. Les choses à faire, les choses à ne pas faire, c'est déjà très clair dans sa parole. Mais la volonté agréable, tu vois, là maintenant, on passe à un autre niveau. Là, c'est plus simplement demander. Là, maintenant, c'est chercher. Parce que la volonté agréable, c'est la volonté maintenant qui est spécifique par rapport à toi. Et là, c'est le mot volonté, là, c'est téléma. Téléma, qui veut dire, en fait, la volonté qui t'est propre. La volonté qui t'est spécifique. Ephésiens 2.10, tu notes la référence, mais Ephésiens 2.10 nous dit que nous sommes un, son ouvrage, et puis qu'il y a des œuvres qui ont été préparées pour nous longtemps à l'avance. Il y a des œuvres qui ont été préparées pour toi, pas ton voisin, pas ta voisine, pour toi. Quand tu es arrivé, c'était un cadeau spécialement pour toi qui ne s'ouvrait qu'avec tes empreintes digitales à toi. Fait sur mesure pour toi. Rien que pour toi. Des œuvres faites sur mesure uniquement pour toi. Personne n'est venu sur terre pour être spectateur de qui que ce soit. Nous sommes tous des acteurs de sa majesté le Christ. Chacun dans notre couloir, chacun à notre niveau, mais tous spectateurs parce que tous nous devrons rendre compte à un moment donné. Personne n'est venu accompagner quelqu'un. Tu es venu accompagner personne, mon ami, parce que tu te retrouveras seul devant le Seigneur. Et tu ne diras pas, c'est à cause d'un tel, c'est à cause d'un tel. Non. Dieu te dira, ah bon? Ah, vraiment? Ah non. Aucune excuse. Aucune excuse. Tu as été appelé à faire, ce que tu as été appelé à faire a été préparé en avance. Et tu as besoin donc de rentrer dans l'intimité avec Dieu et avoir une révélation de ces choses. Et ça, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité. Ce n'est pas au pasteur ni au prophète. Je n'ai pas entendu ton ami. Non, va chercher Dieu et puis que le Seigneur te parle un peu par rapport à moi, eux. Et toi, il ne te parle pas. C'est quoi? C'est quoi? C'est vision sur commande? C'est comment? Non, et toi, il ne te parle pas.
Est-ce que, bon, il faut dire aux gens du troisième culte qu'on aura un retard de 15 minutes. Est-ce que, bon, je peux parler un peu par rapport au truc de vision là? Je peux? Ok. T'es sûr? Ok. Premièrement, tu te dois d'apprendre à chercher Dieu par rapport à ta propre vie. Oui. Est-ce que Dieu parle par les prophètes? Oui. Est-ce qu'il parle par les serviteurs de Dieu? Oui. Est-ce qu'il parle par les frères et sœurs? Oui, Dieu parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais tu te dois, toi, d'aller chercher Dieu pour ta propre vie, de recevoir de la part du Seigneur. Ça veut dire que, tu vois, il y a un moment où tu vas payer un certain prix quand même. Parce que c'est intéressant de voir que tu n'as pas tout le monde, mais tu en as quand même certains, qui ne vont pas prendre le temps de payer le prix pour chercher Dieu par rapport à ce que Dieu attend d'eux, mais ils veulent tout comme ils sont là, croisés, bras croisés, jambes croisées sur le canapé. Seigneur, parle-moi. Devant la télé. Ah, Seigneur, tu ne me parles pas. Hein? Seigneur, faut me parler, non? Bit, wow! On a marqué. Seigneur, t'as vu, parle-moi. C'est la mi-temps. On a 15 minutes. Non, il y a un moment où tu te dois un peu de le chercher. Dis-moi un bon amen. Oui, tu cherches. Tu dois chercher un peu la spécificité que Dieu a. Et tu sais pourquoi tu dois le chercher? Tu dois le chercher avec un cœur vrai, avec une feuille vierge. Parce que d'autres vont le chercher avec une feuille déjà remplie. C'est-à-dire que tu vas le chercher, mais tu as déjà tout écrit au fait. Et tu vas le chercher pas pour qu'il te dise ce qu'il en est, mais pour qu'il valide ce que toi tu lui présentes. Et c'est là où je fais le lien avec certaines prophéties. Est-ce que tu sais, et ça je sens de le dire, à vous du deuxième culte, donc comme tu es venu, il y a plus d'une personne qui est concernée. Est-ce que tu sais qu'il y a certaines prophéties qui te sont données, mais qui ne viennent pas de Dieu, et dont la révélation pourtant est vraie? Il y a deux mercredis, j'en parlais avec les gens du mercredi qui ont fait l'école sur la prophétie. Et j'ai donné ce témoignage que je vais redonner, que j'ai lu dans un livre d'un pasteur, aux États-Unis. Le pasteur a été invité aux États-Unis, et quand il arrive, il devait prêcher le dimanche. Et quand il devait prêcher le dimanche, bizarrement, il ne sait pas pourquoi, mais le Seigneur lui dit, prêche sur Ézéchiel, je ne sais plus c'est quel passage, je crois que c'était Ézéchiel 20, quelque chose, 22 ou 23, de mémoire, ou 13. Enfin bref, il dit prêche, en tout cas, dans Ézéchiel où on parle des faux prophètes. Et donc il vient et il prêche là-dessus. À la fin maintenant, et puis il sent que dans l'église, les gens sont touchés. Et puis à la fin, le pasteur lui dit, ah pasteur, en tout cas, tu as vraiment prêché, c'est le Saint-Esprit qui t'a dit de parler là-dessus. Il dit pourquoi? Et il lui raconte ce qui s'était passé il y a quelques mois. Il dit, voici ce qui s'est passé il y a quelques mois. J'avais invité un prophète. Le prophète est venu. Et avant qu'il ne vienne, au fait, j'avais dans mon assemblée, j'avais un couple de responsables. J'avais un couple de responsables dont leur rêve, c'est-à-dire eux, leur rêve, c'était à tout prix d'aller servir, parce qu'ils étaient aux États-Unis, à la côte ouest, c'était d'aller servir un grand homme de Dieu, évangéliste, avec un ministère de guérison, mais qui habitait à la côte est, donc à plusieurs milliers de kilomètres de l'autre côté. Et c'était ça leur plus grand désir, de travailler pour lui, d'être avec lui, de recevoir, d'avoir en anglais impartation, de recevoir cette grâce et tout cela. C'était leur plus grand désir. Et les gens qui étaient autour d'eux savaient ça. Mais le couple pastoral, donc le pasteur et sa femme, suivaient aussi ce couple-là, et ils savaient qu'ils avaient aussi quand même d'autres challenges, tout cela. Mais bon, en tout cas, c'était ça leur rêve. Le prophète maintenant arrive. Le prophète arrive, il prêche et tout, et puis il fait le ministère, et puis à un moment donné, il s'arrête, et puis il regarde le couple. Et quand il regarde le couple, il dit au couple, levez-vous. Le couple se lève. Et le prophète dit, voici ce que dit le Seigneur. Vous allez servir tel serviteur de Dieu. Et il cite le serviteur de Dieu de la côte est, le grand évangéliste. Vous allez le servir, vous allez le rejoindre sur la côte est, vous allez le servir et vous allez travailler avec lui. Et au bout de quelques temps, vous allez recevoir, donc impartation. Comment on dit impartation en français? Je ne sais pas, c'est... Hein? Déversement, oui, fonction de grâce, revêtement, transfert, voilà, transfert. Ouais, vous allez recevoir le transfert d'onction. Oui, c'est ça, transfert d'onction. Vous allez recevoir le transfert d'onction de la part de cet grand homme de Dieu. Et vous reviendrez ici dans la région et vous commencerez un ministère, un grand ministère de guérison. Et quand le prophète est en train de donner la prophétie,
C'est-à-dire, le couple est en larmes. Et puis, les gens qui connaissent l'histoire et tout, sont en larmes de par la précision et de par la confirmation de ce que le Seigneur, de ce que le Seigneur a dit. Wow, c'est la volonté de Dieu, maintenant spécifique, est révélée. Je te dis ça parce qu'on parle de la volonté. Tu me suis ? La volonté spécifique est révélée comme telle. Tout le, donc, c'est-à-dire, tout, l'Église, voilà, tous ceux qui étaient au courant, donc, tous ceux-là sont vraiment dans la joie. Tout le monde, sauf le pasteur et sa femme. Parce que le pasteur et sa femme ne sont pas... Il dit, oui, d'accord, mais... pas à l'aise. Ils connaissent le couple. Et puis, ils connaissent les challenges de couple, les deux, là. Ils connaissent. Et puis, bon. Donc, le prophète est parti. Ah, directement, quand c'est comme ça, le couple, directement, s'est ajusté par rapport à la parole de prophétie. Parce que la prophétie, c'était ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Et puis, il a parlé. Donc, c'est Dieu qui a parlé. Quand Dieu a parlé, tu obéis, tu t'exécutes. Donc, ils ont commencé à faire les bagages, tout cela. Et ils sont partis à la côte est. Ils arrivent à la côte est, de l'autre côté. Et donc, ils se présentent auprès de l'un des bras droits de l'évangéliste. Là. Ils se présentent, ils expliquent. Le bras droit qui dit, OK, très bien, c'est noté. On va faire le nécessaire. Hein, une semaine, deux semaines, un mois, deux mois, trois, quatre, cinq, six mois, rien. Rien du tout. Pendant ce temps, eux, à la côte ouest, ils avaient vendu leur maison, ils avaient déjà vendu leurs choses, puis ils sont arrivés de l'autre côté et tout. Rien. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils ne pouvaient plus rester sur place comme tel. Ils ont été obligés de revenir. Ils sont venus sans jamais avoir été au service, sans jamais avoir été auprès, et ils sont revenus. Et quand ils sont revenus, après maintenant, les problèmes qu'ils avaient entre eux, ça commence à éclater et tout cela. Bref, au bout d'un certain instant, séparés, divorcés les deux. Les deux divorcés. Alors maintenant, tu peux te poser la question, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je vais te dire de manière très rapide ce qui s'est passé. Tu vois, quand il s'agit de faire la volonté de Dieu, tu ne viens pas imposer à Dieu ta volonté. Dis-moi un beau amen. Tu ne viens pas imposer à Dieu ta volonté. Quand tu vas devant le Seigneur, tu y vas avec une feuille vierge en dessous de laquelle tu as déjà signé. En disant, tout ce que tu diras, ce que toi tu diras, pas ce que moi je crois que tu dois dire, tout ce que tu diras, écrit, c'est déjà, moi t'as déjà ma signature, t'as déjà mon go. C'est cette attitude-là que tu dois avoir. Or, souvent, nous venons devant Dieu, mais avec des idoles dans le cœur. Avec des idoles dans le cœur. C'est-à-dire avec des pensées préconçues, avec une volonté propre que nous jugeons être la volonté de Dieu pour notre vie. Et nous venons pour l'imposer à Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au prophète? Comment est-ce que le prophète a fait pour dire la vérité? Parce que le prophète ne connaissait pas, il était venu et puis il est parti. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que, et là je parle à quelqu'un qui court derrière les prophètes au lieu de courir derrière le Saint-Esprit. Amen. Dis-moi un bon amen. Je crois au ministère prophétique comme tu n'as pas idée. La preuve, on en enseigne. Les mercredis, on est dessus, on enseigne là-dessus. J'y crois grave. Il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que d'ici là, il y a plusieurs prophètes qui doivent sortir de ICC Cotonou. On a plusieurs. D'où l'importance de s'assurer que tu saches reconnaître le vrai du faux. En te focalisant sur le vrai. Et donc, il faut aussi savoir détecter le faux. Dis-moi un bon amen. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé est la chose suivante. C'est que tu dois comprendre que les prophètes, ou ceux qui sont sous l'onction prophétique, ou dans le ministère prophétique, ou encore ceux-là simplement qui ont cette sensibilité spirituelle-là, arrivent à voir ce qui est, surtout dans les cœurs. C'est vrai qu'on n'est pas en cours du mercredi, mais ça peut être un peu haut, mais comme je sens de le dire, c'est pour ça que je le dis. Tu vois, quand tu es dans le domaine du prophétique et que les dons spirituels sont aiguisés, je n'ai pas besoin que tu me dises quoi que ce soit pour que je sache qu'il y a dans ton cœur. Ça peut te paraître flippant, mais c'est vrai. Je n'ai pas besoin. La vérité, c'est que même les gens occultent, c'est ce qu'ils font. C'est ce qu'ils font. J'ai déjà donné ce témoignage où, à un moment de ma vie, quand j'étais en mode rétrograde et en mode compliqué, quand je passais, il y a une voyante qui m'a regardé et qui a dit exactement ce par quoi je passais. Elle m'a dit, vous avez un problème avec tel membre de votre famille et voici ce qui s'est passé et voici ce que vous ressentez. C'était du 100%. Elle ne me connaissait pas. Comment est-ce qu'elle a vu ça? Est-ce que tu me suis? Et la vérité, ceux qui sont dans le domaine du prophétique ont une sensibilité par rapport à ce qui est. Le problème est le suivant. C'est que bien souvent, ils vont voir ce qui est. Mais ce qui est n'est pas forcément ce que Dieu veut.
Et lorsque tu mets simplement l'étiquette au-dessus, ainsi parle le Seigneur, tu as tout faussé. Dis-moi un bon amen. Amen. C'est ainsi que tu verras beaucoup, écoute, la Bible est claire par rapport à ça, il y en a beaucoup qui courent derrière les prophètes, pas pour entendre la voix de Dieu, mais pour avoir confirmation de leur idole dans le cœur. Ah, oh, oh. C'est juste pour avoir confirmation de l'idole qui est dans le cœur. C'est tout. Et si le prophète n'est pas... Parce que tu sais, le faux prophète, quand on dit faux prophète, il ne faut pas croire que c'est quelqu'un qui ment. Ah non, le faux prophète, ce n'est pas quelqu'un qui ment. Les faux prophètes, ce n'est pas des gens qui disent des mensonges. Non, 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 non. Regarde, au fait, le faux prophète, c'est quoi? Tu as ceux-là qui disent des mensonges, mais la plupart des grands, la plupart des faux prophètes qui vont sortir vont dire des choses qui sont avérées, mais qui ne sont pas du cœur de Dieu, c'est tout. Et c'est ça qui va séduire, parce que pour que tu sois séduit, il faut bien qu'il y ait des faits. Il faut bien qu'il y ait des preuves, il faut bien qu'il y ait quelque chose qui marque. Ah non, le gars-là, il est fort. Hein? Je parle à quelqu'un qui court derrière les prophéties, prof à. Tu cours, tu cours, tu cours à gauche, à droite, tu cours, tu cours. Et comment? Et qu'est-ce que le faux prophète fait? Quand le faux prophète sait qu'il a vu juste, qu'est-ce que ça fait? Toi, maintenant, tu y crois? Tu crois en lui? Il vient d'asseoir son autorité sur toi. Tu lui fais confiance? Tu dis, ah non, la dernière fois, il avait dit, c'était exact. Ah, ah, dis-moi un bon amen. La volonté spécifique de Dieu, hein, tu dois la trouver auprès du Saint-Esprit. Et oui, il peut passer par les prophètes, les hommes de Dieu. On est très d'accord. Mais toute prophétie, la Bible est très claire. Examine. Examine. Tu examines. C'est ainsi que plusieurs, je ne sais pas pourquoi le Saint-Esprit dirige de cette manière, si ce culte, plusieurs, il y en a en tout cas, là, aujourd'hui, là, maintenant. C'est comme ça que tu as un pied dedans, un pied dehors, parce que tu vas consulter encore les fa et autres. Parce qu'il s'est avéré que dans le passé, ce qui était dit était vrai. Et ça t'avait aidé, ou bien ça a aidé un de tes proches. Et comme tu as la sensation que chez Dieu ça tarde, je te dis que oui, tu vas aller chez le tronc fa, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Tu vas y aller. Et oui, il y a des choses qui vont dire qui sont vraies. Oui, oui. Mais la question n'est pas de savoir si c'est vrai. La question est de savoir quelle est la source. N'as-tu pas lu qu'il est écrit dans Actes des Apôtres que Paul était en train de marcher, avec Silas, je crois, à l'époque, il était en train de marcher. Et puis tu avais une femme qui disait, voici les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, écoutez-les. Voici les serviteurs du Dieu très haut. Écoutez-les, écoutez-les. Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'ils ne sont pas les serviteurs du Dieu très haut? Mais par quel esprit elle faisait ça? L'esprit de Python. Dis-moi un bon amen. Non, il faut que tu sois délivré. Je refuse d'une église qui est ballottée comme ça. Jamais. Amen. Tu dois être ferme, pas sur ton pasteur, sur la parole de Dieu. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Et que tu ne sois pas ballotté de gauche à droite. Jamais. Nous sommes une église ICC. Nous croyons dans les prophéties. Nous croyons dans les dons spirituels. Mais jamais de désordre. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. Tu ne vas pas me venir m'intimider parce que oh, j'ai vu ça et ça et c'était vrai. Et après? Et après? Tu crois intimider qui? Non, mais attends. Je parlais avec une personne comme ça qui me dit ah, moi, je ne me trompe jamais dans mes prophéties. J'ai dit ah bon? Rien que le fait qu'elle ait dit ça, j'ai dit c'est bien, c'est bien. Amen, amen, amen. Non, écoute. Maintenant, je comprends. Je comprends. De toute façon, la volonté parfaite, je reste sur la volonté agréable. Parce que la volonté parfaite, c'est Dieu qui le fait. Et elle est progressive. Lorsque tu es dans la volonté spécifique, quand tu persévères dans la volonté spécifique, qu'alors maintenant tu rentres dans le parfait. Mais je sens que le Seigneur veut que je termine sur la volonté agréable.
Et je comprends maintenant la prière d'avant message. Je comprends la prière d'avant message. Merci Seigneur. Ouais. Non, parce que tu vois, tu te dois de revenir. Oh, alléluia. Il y a plus d'une personne ici, tu es embrouillé à cause d'une prophétie que tu as reçue. Amen. Ouais. Si c'est toi, lève la main. Levez la main. En haut aussi. Tu es embrouillé à cause d'une prophétie que tu as reçue. Et ça, maintenant, quand je suis en train de parler, ça... Confusion. Lève la main bien haut. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il y a déjà beaucoup de mains, je sais, mais je sens qu'il y a plus. C'est-à-dire, tu as dirigé ta vie sur la base d'une prophétie, mais au-dedans de toi, tu n'es pas à l'aise. C'est-à-dire, il n'y a pas la paix. Normalement, quand la prophétie vient de Dieu, il y a une paix. Mais toi, il n'y a pas la paix. Tu es en train de te faire voler. Lève la main. Ah, c'était ça. Ah, il y a plusieurs mains. Ah, Seigneur, c'était ça. Ouais. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir, levez la main. Le Saint-Esprit a un message pour vous. C'était pour vous. Parce que vous êtes fait voler. Levez-vous. Shabalaba. Levez-vous. Shakaitala. Maikatala. Kaitebecheta. Makaralabocheta. Karabo shataya. Kayalabo shete. Matararai katasha. Maka, les autres priez. Shekararabosha. Shekararabrosha. Makatarareboche. 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 Je brise ces paroles qui avaient été prononcées sur ta vie. Shakanarai ketena maikata. Shabereboka. 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 Setereboka. Maiketarareboche. Maïke terere maché. Maïke terere maché. Katarana mosa. Chaterere bosa. Maïke terere makai. Terebo. Cheke. Mate. Rerebose. Yerebose. Chalala baba baba ikororobosa. Chalala baba ikororobosa. Chalala baba ikororobosa. Chake nema ikete. Iketere. Iketere! Iketere! Satere rebosa! Shakanana mosa! Je brise le pouvoir de l'ennemi sur ta vie dans le nom de Jésus. Je brise le pouvoir du mensonge dans ta vie dans le nom de Jésus. Makataraba, ta destinée qui avait été enfermée, libérée! Libérée! Shatarana masa! Kororobo shatayanama! Les années qui t'avaient été volées, tu les récupères dans le nom de Jésus. Que cette semence divrée de l'ennemi soit ôtée de ton cœur à partir de ce jour. Que cette semence divrée de l'ennemi soit ôtée de tes pensées dans le nom de Jésus. Shabalarabo kaita. Mets une main sur le cœur, l'autre sur la tête. Shalarabosa. Les autres priez, continuez à prier. Shata. Nos frères et sœurs qui sont debout, c'est plusieurs destinées. En dehors de la leur, c'est plusieurs destinées derrière qui étaient bloquées. Kararabo Shata. J'ordonne à l'esprit de Python de relâcher son emprise sur toi dans le nom de Jésus. J'ordonne à l'esprit de Python de relâcher son emprise sur toi dans le nom de Jésus. Esprit de Python, libère maintenant. Je viens contre toi par l'autorité du nom de Jésus. 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 Esprit de Python, dehors! Dehors! Lâche prise, 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 esprit de Python, dehors! Chatalala baba 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 baba, qu'est-ce que c'est le nemo chat? Qu'est-ce que c'est le baba ikete, maiketa la baba chaita. Kalerebosa, Maika Taralaba Shaita, Kelerebo Saika, Telere Masha, Keyana Mesa, Keyana Mesa, Keyana Mesa, tu ne prendras plus mon église en otage. Shaka Teremaka, Shetere Rebosa,
Serpent ancien, je viens contre toi dans le nom de Jésus. Serpent ancien, je viens contre toi dans le nom de Jésus. 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 Shekelele bababa. Shayana mama maïté. Shayana mama maïté. Ketele le bocha. Les autres priez. Shekelele boché. Les leaders, imposez les mains à ceux qui sont debout. Les leaders, les pasteurs, les référents, imposez les mains à ceux qui sont debout. Chakala la bacha. Chakala la bacha. Chakala la bacha. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Chebele le baba 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 iketele le ba. Ketele le bachata. Dans les salles annexes. Dans les salles annexes et dans le couloir aussi. Shekele le ba, shekele le ba. Shekele le ba. Shekele le ba. Baketele ma, baketele ma. Baketele ma. Baketele ma. Kelele ba 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 shayata ba. Sheke na maito robo, sheke. Esprit de Python, tu lâches ton étau, 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 tu lâches ton étau. Libère ta proie, libère ta proie, libère, 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 libère. Par l'autorité du nom de Jésus, je plaide le sang, le sang, le sang, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus. Chakala la baba itele le bossa. Chekete yanamo, 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 chekete shaita, chekete yanamo, chekete yanamo, chekete yanamo, chekete Colonobochete. Église, priez. Ce n'est pas le combat de nos frères et de nos sœurs seulement. C'est notre combat. Lorsque l'un d'entre nous est touché, nous sommes tous touchés. Église, priez. Vous qui êtes assis, priez. Shalababababa. 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 Iketele de bosse. Iketele de bosse. Iketele de bosse. Chetele le boca, ketele le bo shayalama, kotele le bo shete yalababa, kotele le bo shetele le ba, kotele le bo shetele le ba, kotele le bo shetele le ba. Chete bebe bebe kele le bebe bebe cité, chete kele le bebe bebe kele le bebe cité, chete le bebe bebe kele le bebe cité. Shayalama mama mama, kotele le bo sa. Cet esprit de Python qui est venu avec le mensonge de l'ennemi. Extraction divine, extraction divine, extraction divine, extraction divine, extraction divine, extraction divine. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, et dans le nom de Jésus. Shababababababa iketele lebe. Shelebele lebebebe iketele lebe. Shekele lebe keliyanabababababababa. Shayana mama, Shayana mama mama. Keya da bosa, Keya da bosa. Shaikele de bosse. Shaikele de bosse. Shaba ba 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 ba. Keitele de bosse, Shayana ma. 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 Seda ba 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 ba. Dans la salle annexe, dans la salle annexe, dans le couloir, dans la salle annexe, dans le couloir. Les taux du piton de cet esprit vous lâche dans le nom de Jésus. Il vous lâche dans le nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Chakala la bosse. Shayana maba. Shayana maba. Kaikala la bosse. Tu accompliras la volonté de Dieu. Tu accompliras la volonté de Dieu pour ta vie.
Personne ne te mènera dans une voie qui n'est pas la tienne. Tu accompliras les desseins spécifiques de Dieu pour ta vie. Dans le nom de Jésus, personne ne te détournera. L'esprit de vérité te conduit dans toute la vérité. L'esprit de vérité te conduit, te maintient dans toute la vérité. Shakara la bosa. Shakara la bosa. Sheyanama saita. Sheyanama saita. Shakara la bo. Shakara la bo. Sheyana baba. Si on t'a touché, si tu étais debout, on t'a touché, assieds-toi. Sayabashata. Shente de debo shayadaba. Shekena shekama. Sheikana raita. Shekere de baba baba. Kararabosha. Kararabrosha. Kararabrosha. Shekarabasaita. Toi qui es assis, mets la main sur la tête. Mets ta main sur ta tête. Quand Satan est venu tenter Jésus dans le désert, il lui a fait la proposition d'une volonté différente de celle de Dieu. En lui disant, prends tous ces royaumes, je te les donne, si tu te prosternes devant moi. C'était le moyen de faire en sorte que Jésus n'ait pas à se retrouver dans le jardin de Gethsémané, plus tard, où il allait prier de manière à récupérer les royaumes, non pas selon le diable, non pas selon le diable, mais selon Dieu. Qu'est-ce que je suis en train de dire? L'ennemi fera tout. S'il sait qu'il ne peut pas t'arrêter, il fera tout pour te faire compromettre. Pour que tu ne fasses pas ce que Dieu veut spécifiquement que tu fasses, ni la volonté agréable, et encore moins la volonté parfaite, mais pour t'emmener à obtenir ce que Dieu veut que tu obtiennes, pour t'emmener à faire ce que Dieu veut que tu fasses, mais que tu le fasses par un chemin détourné. Mais il échoue lamentablement dans ta vie. Garde ta main sur ta tête. Seigneur, que les pensées de mon frère, les pensées de ma sœur se retrouvent captives à rien d'autre si ce n'est l'obéissance à Christ. Captives à l'obéissance de Christ. Captives à l'obéissance de Christ. Shabarababababa. Captives à l'obéissance de Christ. Shakarababababa. Captive à l'obéissance de Christ. À partir de cet après-midi, que tes oreilles s'ouvrent de manière surnaturelle. Amen. Afin de discerner ce qui est de la voix de l'Esprit de Dieu. Amen. Et ce qui n'est pas de l'Esprit de Dieu. Makaracheta. Korobocheta. Aie confiance en ce que la parole de Dieu dit. Ceux qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Il te conduit dans la vérité. L'Esprit de vérité te conduit dans toute la vérité. Que la peur de te tromper te soit ôtée dans le nom de Jésus. Que le discernement de sa voix te soit réactivé dans le nom de Jésus. Le Seigneur a dit, je connais mes brebis me connaissent, elles entendent ma voix, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. C'est ton partage dans le nom de Jésus. C'est ton partage. Tu accompliras la volonté parfaite de Dieu pour ta vie dans le nom de Jésus. Toi qui étais dans le péché, tu reviens à Christ, tu reviens dans la volonté bonne dans le nom de Jésus. Toi qui étais au niveau de la volonté bonne, tu passes au niveau de la volonté spécifique. Dans le nom de Jésus. Et toi qui étais dans la volonté spécifique, tu progresses jour après jour, mois après mois, année après année, vers la volonté, le cœur de la volonté spécifique, qui est la volonté parfaite de Dieu. Non pas à cause de nous, Seigneur,
mais à cause de toi, par toi, en toi, en toi, en toi, nous nous attachons à toi, nous nous abandonnons à toi. Alléluia. Seigneur, je prie pour mon frère, ma soeur, qui s'est levé tout à l'heure. À partir de cet instant, une libération totale et complète dans sa vie. À partir de cet instant, plus aucune influence, possession, oppression de l'esprit de Python dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Chakalalabosa. Chatalalabosa. Cheketelelebosa. Chakalalabosaïta. Lève les mains, lève les mains, lève les mains. Alléluia. 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 Shabarabasaita. Alléluia. 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 Ataya la bouche, ataya la bouche. Allez, allez, allez. Alléluia. Alléluia. Allez, allez. Alléluia. La bosse, cara la bosse, et toi. Allez, allez, allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Chebelebo kororobo saita la ba saita. Dis encore allez, allez, allez. Alléluia. Allez. Alléluia. Shaba ba 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 la bo saita la bo sheta. Encore une fois allez, 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 allez. Alléluia. 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 Seigneur, qu'il en soit ainsi. Seigneur, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Shabarabaka et Tarabosha. Sharabaka et Tarabosha. Sharabaka et Tarabosha. Je sais que l'heure est avancée, mais il y a un rendez-vous spécial que le Seigneur avait avec chacun ici. Les yeux fermés. Restez dans la position où vous êtes, les yeux fermés. Je vais aller vite parce que je voulais passer pour la fin, mais je sens qu'il y a quelqu'un, il y a plus d'une personne ici. Tu dois revenir à Christ. Tu dois revenir à Christ. C'est-à-dire, pour quelqu'un, tu venais à l'église ou tu allais à l'église, ou peut-être que tu es là pour la première fois, je ne sais pas. Mais tu sais que tu n'es pas dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu ne le connais pas. Ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question d'être né catholique, évangélique, protestant, baptiste, céleste. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est ce que Dieu, Jésus peut dire, je te connais. Parce que ce jour-là, il doit pouvoir dire, je te connais. Mais est-ce que toi, tu le connais? Est-ce qu'il y a une relation? C'est une décision que tu prends. De soumettre ta volonté à la sienne. De dire, Seigneur, je ne veux plus marcher dans le péché. Et c'est lui qui change ta vie. Mais c'est une décision que tu prends de dire, Seigneur, je m'abandonne à toi. Les yeux fermés, la tête baissée. Et là, ce que j'ai reçu, les yeux fermés, la tête baissée. D'abord, si c'est ton cas, viens devant. Parce qu'il faut que j'impose la main. Viens devant. Viens devant. On va reculer légèrement la première rangée. Mais viens devant. Tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Et là, tu veux prendre la décision. Viens devant. Viens devant. Bon, on s'en moque de ce que les gens regardent ou pas. Il s'agit de toi. C'est entre toi et le Seigneur. Si vous êtes en haut, vous descendez. Si vous êtes en haut, vous descendez. Si vous êtes en haut, vous descendez. Venez devant. Venez devant. Venez devant. Tu ne peux pas repartir d'ici. Tu ne peux pas repartir d'ici. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Tu ne peux pas repartir d'ici tel que tu es venu. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. La volonté de Dieu pour ta vie doit rentrer en action. Si vous êtes à l'étage, vous descendez, vous venez. Dans la salle annexe, vous descendez. Si vous êtes dans le couloir, vous descendez, on vous attend. Mais tu ne peux pas, tu ne dois pas. Tu ne dois pas, pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui.
Karabo shata, kaitara namase, kaitara rabose, kaitara namasheta, karareboshe, karareboshe, rarabaika, rarabaraika, rarabraika, yandere rebosha, yandere rebrosha, yaka, yata, rata, keita, reinta, reinta, keita, reinta. Les autres, gardons les yeux fermés, intercédons. Il y a quelque chose aujourd'hui, il y a quelque chose qui doit lâcher prise. Ce n'est pas simplement pour ceux pour qui on a prié. C'est aussi pour ceux-là qui doivent revenir à Christ, qui doivent venir 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 à Christ. Shababara rabosa, kaitara rabosha, shayanamaka, shayanamaka, rerebosha, rerebosha, yetema, yekarabosa, shemarara, kaita, kaita, yikete, 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 yikete. Shebelele bababa ikana na masaita. Kororobosha ikana na masa ikana na masha. Beteka maite beketa maite. Shebararama shekayaraba. Shebararabo maita. Shebararamo maita. Shekararaba bababa itelele boshaita. Marabo shata. Tendez les mains vers nos bien-aimés. Tendez les mains. Shebararaboba, ikararabosha, ikararabosha. Alléluia. 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 Sayaraba kararabasha itororobosa. Shayarabakaita rabakaita rorobosa. Tendez la main vers nos bien-aimés, intercédez pour eux. Il y a quelque chose qui se passe dans l'air. Alléluia. Shabarabo Saita. Shaida Barabo Kaitarabo Shaita. Shaikarabo Kaitarabosa. Continuez de prier. Vous qui êtes devant, vous allez faire cette prière après moi. Faites cette prière après moi. Les autres, l'église continue de prier. Mais vous qui êtes devant, faites cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, je viens devant toi, tel que je suis. Pardonne-moi pour mes péchés. Pardonne-moi pour ma vie passée. Mais aujourd'hui, je viens à toi. Je viens à toi. Prends ma vie, toute ma vie. Je m'abandonne à toi. Je m'abandonne à toi. Je m'en remets à toi. Je te dis merci parce que aujourd'hui, tu m'as accepté. Aujourd'hui, je suis aimé. Aujourd'hui, je suis choisi par toi. Les choses anciennes passent. Toutes choses deviennent nouvelles. Je t'aime, Seigneur. Recevez sa paix, son amour. Les leaders, venez, commencez à prier pour nos bien-aimés. Priez pour eux. Shabaraba Saita. Katarabo Shai Kananama Saita. Alléluia, alléluia. Il y a quelque chose de spécial que le Seigneur est en train de faire. Alléluia. Shekarabriabosa, kararababashenta, sheterebosaika. Alléluia. Shakarabasa iterebosaita. Kaitarabasa itaraba. Kararabo. Alléluia. Father God, your peace. Ta paix. Inonde, sature, inonde. Shabarabakaita.
Makarebosa. Inonde, sature. Église, continue de prier. Shendarabasaita. Inonde, sature. Délivre, inonde, sature. Ta paix. Le Seigneur t'aime. Il t'aime. Il t'a toujours aimé. Mararabosha, ton amour, Seigneur. Shabararababa, ikotorobose. Kai kararabosha, matarabosa, maitarabosa. Alléluia, ta paix. Shakararabosa, maiketererebosa, ita. Shetaranamamama. Item. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Aucune condamnation. Shabarababababa. Keta, Seigneur, transforme la vie de mon frère. Transforme sa vie totalement, complètement. Réécris l'histoire. Fais mentir à tous ceux qui avaient parié qu'ils n'y arriveraient pas. À tous ceux qui avaient parié qu'ils ne pourraient pas. Seigneur. Shabarababa kararaba saïta. Marahai ketebe sheta. Shemaita rabaita maraika tereboshe. Father God, in Jesus' name. Hallelujah. Sheka baba 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 tereboshe. Kantereboshe. Shaba baba 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 ikorodobosa. Shayala baba baba ikorodobosa. Alléluia, Sheta Yala Baba Baba Baba. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui est en train de faire le premier. Shekara Rabosa Itarabasa. Il y a quelqu'un qui est en train de monter les escaliers. Il y a quelqu'un. Alléluia. Qui est en train de Shaba Baba Baba. Il y a quelqu'un, Seigneur, qui est en train de faire du chemin avec toi, Seigneur, ce matin. Alléluia, alléluia. Allez, alléluia. Alléluia. Église, est-ce qu'on peut se lever? Allez. Alléluia. Dis-le encore une fois. Allez. Alléluia. Alléluia. Chalé de Bossa Yana Baba Baba. Alléluia. Seigneur, merci. Nous t'avions demandé de diriger le culte à ta manière. C'est ce que tu es en train de faire. C'est toi le maître. Et merci pour mon frère, merci pour ma soeur, merci pour ce magnifique miracle que tu opères aujourd'hui devant nos yeux. Et il y a de la joie dans le ciel lorsque un seul pécheur revient à toi. Et il y a de la joie dans le ciel aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, est-ce que quelqu'un peut acclamer. Wow. À vous tous qui êtes devant. D'abord, félicitations parce que c'est la plus belle des décisions que vous puissiez prendre. On est en train de donner une fille, c'est parce qu'on ne va pas vous laisser. Vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, on ne va pas vous laisser comme ça.
Et à la même manière qu'on nous a aidés, nous aussi, on va être là, on va vous aider. On va vous aider. Donc, laissez-nous vos coordonnées. Et avant de repartir à vos places, mettez vos coordonnées parce qu'on va continuer. On va continuer. Le Seigneur a conduit le culte comme il veut. C'est-à-dire, tu vois, lorsque le Saint-Esprit... Non, le Seigneur est en train d'agir avec notre sœur. Il est en train d'agir, vous inquiétez pas. Elle a donné sa vie au Seigneur. Donc, il y a un déménagement spirituel qui est en train de se faire. Un déménagement spirituel. Un déménagement spirituel. Et tu sais, laisse-moi te dire, bien-aimé, je bénis le Seigneur parce que tu es toujours là. Et c'est très bien. Parce que tu vois, de plus en plus... Je sais que quand tu laisses la place au Saint-Esprit, tu n'as plus forcément une maîtrise sur le culte. Tu me suis? Mais le plus important, ce n'est pas que nous soyons contents du culte. C'est que le Seigneur soit content du culte. Dis-moi Amen. Parce que tu vois, lorsque les personnes sont libérées depuis des années d'une oppression, d'une voix ou d'un esprit de python qui les emmenait dans une autre direction, c'est le cœur du Seigneur que ses enfants soient libérés. Et lorsque plusieurs quittent le chemin de l'enfer pour prendre le royaume du ciel comme ça, il y a une joie dans le ciel qui est juste indescriptible. Dis-moi un bon Amen. Et lorsque sa parole vient et qu'elle transperce les cœurs et qu'elle nous délivre, il n'y a rien de plus beau. Dis-moi un bon Amen. Dis-moi un bon Amen. Alors, dans cette attitude d'adoration et d'action de grâce, si vous avez rempli les fiches, vous pouvez retourner à votre place devant. Si vous avez rempli la fiche, vous pouvez retourner à votre place. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Et on va rester debout. Et dans cette attitude... Bah écoutez, comme l'onction est là, tendons la main vers notre sœur. Tendons la main comme une famille. Tendons la main vers notre sœur. Il y a un déménagement spirituel qui est en train de se faire. Parce qu'elle a donné sa vie à Christ. Il y a un déménagement spirituel par l'autorité du nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus. Par l'autorité du nom de Jésus. Nous prenons possession de son corps. Nous prenons possession dans le nom de Jésus. Et nous ordonnons à toutes les alliances qui avaient été prononcées sur elle, maintenant, dans le nom de Jésus, maintenant, c'est brisé. Elles sont brisées. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Prie encore 2 minutes pour notre sœur. Continuons, 2 minutes. C'est notre sœur, c'est ta sœur, c'est ma sœur. C'est notre sœur et elle est maintenant dans le royaume de Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est un déménagement définitif qui est en train de se faire. Définitif. Gloire au Seigneur. Ecclésia, encore 1 minute, 1 minute. Prie comme si c'était ta fille. Prie comme si c'était ta sœur biologique. Prie comme si c'était ton ami. Shabarababa iturodobo shata. Shebelele babababa iturodobo. Dans le nom de Jésus. Ah, quand une église prie, quand une église prie. Quand une église prie, 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 quand l'église 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 prie, Shabalabosa, Shalabrosa, Shekerebo. Encore quelques secondes encore, Rebo Sha. Thank you.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ah, un en chasse 1000, deux en chasse 10 000. Alors qu'on est comme ça. Ah. Gloire à Dieu. Ton voisin, waouh! Wow. C'est ça quand le Saint-Esprit prend les choses en main. Et dis-lui, j'en veux encore. Deux choses. Alors, deux choses. Alors, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre sort? Allez! Alors, deux choses. Il y a deux choses. Toutes les personnes qui sont levées tout à l'heure quand on a parlé de l'esprit de Python, pardon, ne partez pas tout de suite. Ne partez pas tout de suite. Papa, je ne sais pas si le secrétariat risque de faire un embouteillage. Est-ce que ça ne peut pas être simplement ici pour après partir et conduire au 7e? Je sais, c'est un peu particulier. Regardez, quand vous sortirez. Ouais, ok. Toutes les personnes pour qui on a prié, ne soyez pas prêts de partir trop vite, s'il vous plaît. Ne partez pas trop vite. Pendant le troisième culte, ce n'est pas pendant tout le troisième culte, mais juste un temps, il y a des leaders, on veut vous prendre en one-to-one. Pourquoi je dis ça? La manière dont le culte s'est passé, je ne peux pas prendre ça à la légère. Si le Seigneur a dérouté le culte, en l'occurrence pour vous qui vous êtes levés, c'est que c'est important pour lui. Et si c'est important pour lui, c'est important pour moi, c'est important pour nous. Donc c'est pour cela que je vous demande, à vous tous qui vous êtes levés, lorsqu'on a prié par rapport à l'esprit de Python, ne partez pas tout de suite. Ce qu'on va faire, donc on va libérer bon, le temps qu'après qu'il y ait les gens du troisième culte, mais ne partez pas tout de suite. Ensuite, vous montrez au premier étage et les leaders, pasteurs et autres vont vous recevoir. C'est ça, ça va pas forcément être long, mais je sens qu'il faut qu'il y ait un échange et que vous soyez pas juste reparti comme ça, parce que cet esprit-là avait pour but de vous emmener pas simplement loin de Dieu, mais dans une direction opposée à la volonté de Dieu. Et vous qui vous êtes levés, c'est qu'il y a des âmes, il y a une multitude d'âmes qui sont derrière vous. Ça, c'est un. Et ce que vous ne savez pas de deux, c'est que cet esprit-là, lorsqu'il est lorsqu'il oppresse d'une manière ou d'une autre, il a une influence dans la communauté dans laquelle il se trouve, plus ou moins forte, en fonction de tout un chacun comme tel. Et donc, c'est de s'assurer, on doit prier pour vous et s'assurer vraiment que la porte soit totalement fermée et de voir avec vous s'il n'y a pas des éléments qui donnent des accès. La Bible dit dans Éphésiens 4, verset 27, de ne pas donner accès au diable. Donc vraiment, c'est juste pour avoir ce sera un entretien qui sera plus ou moins court, plus ou moins long en fonction, mais franchement, il s'agit de ta vie. Donc si tu avais un programme, je pense que ton programme peut patienter le temps que le Seigneur puisse terminer complètement ce qu'il a commencé. Que quelqu'un me dise un bon Amen.
Nous sommes une église, maintenant une église qui prie et une église qui aime. Et il n'est pas question qu'on ait prié pour toi et puis on te laisse dans la nature. Non, on veut mettre en pratique ce que le Seigneur nous a dit. On veut mettre l'amour de Dieu en pratique. Et il y a peut-être des choses sur lesquelles tu as besoin de parler, tu as besoin de libérer. Et on est là pour te servir. Dis-moi un bon amen. Dis-moi un bon amen. Et dans cette attitude, oh Seigneur, laisse ça. Dans cette attitude, on va prendre notre dîme, nos offrandes. Ce sera, je vais faire une prière d'action de grâce parce que c'est le premier dimanche du mois. C'est le premier dimanche du mois et on va faire une prière d'action de grâce. Une prière d'action de grâce. Donc c'est pas grave si t'es pas à côté de si vous n'êtes pas en famille ou autre, c'est pas si grave. Si tu peux retrouver ton frère, ta soeur, ok. Mais on va faire une prière d'action de grâce. Je vous donne un stylo. Alléluia. Merci. Alléluia. Est-ce que tu peux lever ton offrande? Ta dîme. Alléluia. Tiens, soulève ton enveloppe. Avec ta femme, avec ton mari, avec ton frère, ta soeur, avec ton enfant. Soulève. Je le disais au premier culte et je le redis au deuxième culte. Il y a une saison qui est très favorable pour les finances. Très, très favorable. Et cette saison est favorable en temps de crise. Tu n'es pas dépendant de l'économie terrestre. Tu n'es pas dépendant de l'économie béninoise. S'il y a crise au pays, il n'y a pas crise dans ton royaume. De la même manière que Dieu a dit à Isaac de semer en pleine famine, de la même manière, je sais que plusieurs c'est le cas, tu te retrouves, c'est pas que tu as, certains ont déjà vu couler, d'autres tu sens que c'est en train de couler, et pourtant ce que tu as, tu sens que le Seigneur te met à cœur de libérer, de semer dans l'église, dans l'œuvre, auprès d'un frère, d'une sœur, et c'est normal. C'est exactement ce qu'il avait dit à Isaac. Il avait dit sème, libère, plante, moissonne. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une grâce qui est en train d'arriver et qui va te dépasser. Tu sais pourquoi? Parce que cette grâce ne sera pas que pour toi. Elle sera pour ton environnement. Pour ton environnement. Que la peur ne soit point ton partage. Au fait, je ne vais même pas prier pour que tu sois libéré parce que c'est déjà libéré. C'est déjà libéré. C'est prier seulement que tu sois positionné. Que tu sois positionné et que le cœur de libéralité, parce qu'il y a une libéralité de plus en plus grande qui grandit dans l'église, et que ce cœur de libéralité qui est le tien aille en grandissant, qu'il aille en grandissant. Lorsque tu prends soin des plus petits, le Seigneur prend soin de toi. Lorsque tu prends soin de son œuvre, le Seigneur prend soin de toi. Lorsque tu prends soin du prochain, le Seigneur prend soin de toi. Et Seigneur, je prie que cet esprit de libéralité nous envahisse à un niveau encore jamais vu. Je prie, Seigneur, que tu fasses de nous, non pas des réservoirs, mais des canaux de bénédiction, des canaux au travers desquels tu arroses, selon ta parole qui dit que l'arroseur va être arrosé. Seigneur, fais de nous des arroseurs, ceux-là qui font du bien autour. Donne-nous d'être ceux-là qui sont totalement libérés de toute forme d'oppression mammonique, mais qui sont totalement libérés de l'argent et qui, Seigneur, dominent sur l'argent, car l'argent n'est pas notre maître. Nous dominons sur l'argent, nous dominons sur les devises, nous dominons sur l'économie, dans le nom de Christ Jésus. Tu fais de nous, Seigneur, de ceux-là qui dominent dans le nom de Christ Jésus. Je libère, Seigneur, je manifeste, je décrète cette grâce abondante financière dans la vie de mon frère, de ma sœur, dans la vie de ton église, dans le merveilleux, glorieux, merveilleux nom de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. On va donner dans la joie. On a fini dans 5 minutes, ne t'inquiète pas. Mais on va, pour tout ce que le Seigneur fait, on va donner dans la joie. Quelqu'un dit un mot, amen. Alléluia. Est-ce que tu veux acclamer le roi des rois? Hey! Oh, acclame-le, célèbre-le.
fasse danse pour lui. Alléluia. Nous sommes le premier dimanche du mois. Est-ce que tu peux danser dans sa présence là? Est-ce que tu peux danser dans sa présence? Alléluia. Est-ce que tu peux danser dans sa présence? Tu danses en fonction de tout ce qu'il va faire dans le mois. Tu danses en action de grâce. Parce que tu sais qu'il fera au-delà, au-delà, au-delà. Si tu crois que tu vas pousser le cri de joie, il fera bien au-delà, bien au-delà. Ensemble. Hey. One, two, three, hey, oh. Il est digne, il est digne, il est digne.